Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un excellent exercice pour travailler les épaules et principalement la partie avant de l'épaule. Pour cet exercice, on utilisera une barre comme ça, W, et on aura besoin d'un appui. Je vais utiliser un arbre parce que je suis dans la forêt, mais j'utilise un mur normalement. Alors la prise, elle sera comme ça, serrée. Les coudes, tout le temps vers l'intérieur. J'appuie mon dos complètement contre le mur, l'arbre. La position de départ est celle-ci. Et la position finale est celle-là. J'essaye d'effectuer un mouvement plus ou moins dans cet angle là, c'est à dire je bouge mes coudes dans cet angle de 60 degrés. Le mouvement est celui là. Mes pieds, ils sont complètement à plat par terre et j'essaye de pousser un peu pour avoir le bas du dos contre mon appui. En fait, je fais le mouvement très lentement, j'ai pas besoin de beaucoup de poids et j'essaye de viser cette partie-là de mon épaule. C'est clair que les pecs ici, c'est-à-dire la partie des pectoraux qui est attachée à la clavicule, va aussi travailler. Mais j'essaye d'isoler vraiment vers l'épaule. Un détail important que j'ai oublié de dire, c'est que essayez au maximum de maintenir les épaules en bas et en arrière. Laissez pas les épaules venir en avant comme ça. Laissez-les vraiment en arrière. Et maintenez votre dos contre l'appui. Poussez avec vos jambes un peu quand même. Et laissez pas, lors du mouvement, les coudes aller vers l'extérieur. Toujours laissez les coudes comme ça. Et voilà, merci et à la prochaine.